trop bien la mitraillette vocale. Brrrr, mitraillette vocale dans ta gueule. Brrrr. Il devrait faire plus de cloisons cassées un peu. Tu veux parler de cloisons cassées là? Ça manque de brèche pour rentrer. Il faut faire le tour de tous les bâtiments à chaque fois. C'est assez agaçant finalement. Ah, ouf malade. Je suis un ouf malade. Gloire à ma rue. Gloire à la rue. Danse de vandale. Je te prends trop de chargeurs macaro. Genre j'en ai trop dans mon sac. Oh putain, yes. Oh yes. Ouais, vas-y. Et le pire, c'est que j'ai hésité à prendre. C'est le Alice Pack ou c'est le check backpack le plus gros? Quoi? C'est le check backpack ou le Alice Pack le plus gros? C'est le check? Non, Alice Pack. C'est Alice? Oui. Alice, elle est grosse. Est-ce que je peux te prendre un sac à dos dans mon sac à dos? Yo dog. Ailleurs, you like backpacks. So you put a backpack in your backpack. So you can have a backpack when you have a backpack. Ah, y'a un mec qui a tué un autre mec avec une distance de 92 mètres. C'est chaud. C'est chaud là. Ouais, c'est chaud. Y'a des mecs qui sont chauds. Ils hésitent pas à faire des frags, je veux dire. Je veux dire, l'amour d'un père. Non. La tendresse d'un père. La caresse innocente d'un père sur sa fille. Enfin, monsieur. Oh putain, ça tire sur WAM. Ça tire sur... Putain de merde. C'est quoi leur problème? Bah voilà, t'as une sale tête, on te tire dessus, tu vois, c'est un truc, on te voit, on fait, ah putain, lui. Ah lui, c'est pas du friendly, lui. Oh non. Oh non. C'est quoi leur posant de problème à tirer sur tout ce qui bouge? Moi, j'aime bien les chargements. Chargement, c'est quelque chose de... d'amusant. Si je le vois, je le baise, hein. J'ai marre de me faire tirer dessus de manière illégale sans que je demande rien. T'as pas changé d'endroit? Non, c'est pareil. Ok. Damn it. Et le vinaigre, il sent d'ici. Horrible. Alors, est-ce que quelqu'un dans le chat a reçu son t-shirt? On a une question à lui poser. Oh, sniper! Oh, putain, je suis un sniper! Oh, je suis un sniper! Bah alors, my name is Paul PHN. Ah ouais, je viens de voir Oh, je suis trop swag! 169 mètres. Oh, 169 mètres? 169 mètres, ouais. Ah, faut que je suis un sniper, une balle. Un petit sniper. Est-ce que quand tu fais avec le Linfield de loin, ce que j'essayais hier, est-ce que tu mets une petite distance, genre... Non, tu veux dire... Tu tires dessus, quoi, enfin, tu prévois pas. Tu tires dessus. Ouais, d'accord. Ça dépend, c'est pas mais non. Hier, j'arrivais pas à les toucher, enfin, j'ai un peu de mal. Bah, y'a un petit cadavre, comme... Ceux qui ont reçu leur t-shirt, vraiment, est-ce que vous avez remarqué qu'ils sentaient le vinaigre? Moi, je vous le dis, ce t-shirt, hein... Voyez, sentez-vous l'odeur du vinaigre? Sortez-vous le joueur vinaigrette. Vinc, je te prends des trucs ou je te prends pas des trucs? Bah, ça dépend. C'est des trucs pas importants, je m'en rends un peu. T'as vidé le supermarché, non? Non, mais je suis en train de viser un cadavre et. Enfin bon, il a pas de trucs. Pourquoi tu trouves toujours des trucs, putain? J'ai abattu, je l'ai pas trouvé. Je trouve trop de trucs là. Un check, je te prends des chargeurs Makarov, comme ça tu seras. Si il avait sinon il avait rien de spécial. Ah j'ai pas ouvert son machin, pas ouvert son check, pas dedans. Ah bah voilà. Alors, cachotier là. Oh, c'est quoi ces coupes de cheveux? Aïe, putain bah, foiré.
Il y a un zombie avec une coupe de cheveux un peu funky. Ah bon? C'est le supermarché? Putain! Oui? Putain! Je vais baiser sa mère là! Oula! La violence! La violence! Comment ça me fait chier les zombies là? Deux pansements! Et la moitié de ma vie enlevée! T'as déjà vu Nico Bellic? Putain là, que ça va foutre! Mais je vais te trouver un petit bout de bague. On va aller chasser les animaux de la forêt. T'inquiète pas. Mais si je m'inquiète? Elle se casse les vitres de l'hôpital? Bah moi hier j'ai pas réussi à les casser. Je sais pas comment on les casse. Avec le revolver? Alors pas? Le camion n'est plus là. C'est normal, nous l'avons pris hier. Et nous l'avons abandonné sur la piste. Mais pourquoi on a fait ça alors? Bah, Terracide, tu te rappelles? C'était pour prendre un avion. Ah mince, on savait pas le conduire, non? On a fait quoi de l'avion alors? Ah, je sais plus, j'ai oublié. J'ai un blood bag. Non, les chargeurs Makarov, je vais peut-être t'en enlever un peu parce que j'en ai fait un peu beaucoup. Ah, apparemment dans l'hôpital t'as des portes coulissantes. Non, non, mais c'est bon, je l'ai ouvert, j'ai tiré deux fois dessus, ça s'est ouvert. Ah, c'est des conneries de Renoir alors. Ah oui, non, mais oui, d'accord. Non, non, mais n'essaye pas de... Non. Non, non, mais je crois qu'il nous disait de tirer sur la vitre à droite, truc qu'on fait d'habitude, quoi. Voilà, 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 c'est qui, c'est la main de la c'est moi, là, Dieu. Mais faut prévenir, putain, t'es baisé. Y'a personne ici. Bon, prends dans mon sac à dos ce que t'as besoin, là. Dépêche-toi. T'as vu le SWAT que j'ai ou pas, Nico Bellic ou quoi? Ouais, t'es un peu Nico Bellic vite fait, tu vois. Genre, j'ai une carte tranquille, gratos. Prends tout ce que t'as besoin, un chargeur Makarov et tout, c'est... Ouais, chargeur Makarov. Prends derrière toi, blood bag, morphine. Et prends antibiotiques aussi, qui sont là. Attends, non, je vais le prendre, je vais le prendre. Tu veux pas le chargeur Makarov? Hé! Hey hey, putain! Mais c'est la troisième, là! C'est toi qui tire, c'est toi? Ouais. Il mérite que ça. C'est vrai, il mérite que ça. Cette pute. Tu veux un sac à dos, tu vas voir le cadavre qui est là-bas. $169. Qui est où? Là, là. Je sais pas. Là, il y a la croix. Par contre, il va falloir que tu vides tous les objets pour pouvoir prendre le sac. Ouais, là-bas, je suis en train de viser. On veut qu'il s'arrête. Oh, le sac vient de disparaître sous mes yeux. Ah. Bah, laisse tomber alors. Ouais, attends, je l'ai vu, il va peut-être apparaître. M4 pixels, il est. Putain. Il y a des trucs. Dans l'église, sinon, il y a des sacs à dos. Si t'as rien qui t'intéresse en stuff. À l'église. Moi je vais faire un petit tour dans la ville vite fait et une fois que toi t'es prêt à partir on y va. Il faudrait attendre Gidias en fait. Non on va se stuffer, on attend Gidias. T'as demandé de... pour l'attendre? Non non, je lui ai dit on va jouer à des aides, il a dit je termine ce qu'il a à faire et il arrive. Ok. Il y a un mec qui court. Oh, putain je fais te... Oh. Bah je vais à l'église quoi. Ouais non mais je croyais que tu me suivais, du coup je regarde au loin, il y avait un mec. Enfin c'était une nana, du coup j'ai hésité à tirer, t'as vu? Ouais ouais. Y'a pas un petit point en hauteur de... Putain j'ai changé de VSS. Je les prends mais je sais pas pourquoi je les prends. Parce que c'est un nom stylé, alors tu te dis que... Ouais. Alors qu'en fait pas du tout. Je t'emmerde. C'est bon, j'ai dit, c'est arrivé.
La. Vous êtes 6890, ça fait plaisir. C'est plaisir, c'est un beau mardi. C'est un beau mardi. Ouais, du 45 ACP, c'est ça qu'on veut. Je vais prendre des bandages parce que je peux te dire que ça y va, les hémorragies. Ouais, j'en ai pris aussi. J'en ai la masse. Là, je suis assez bien. C'est pas du stuff de baiser, mais... Mais c'est bien. Oh merde, putain, un zombie communiste. Un zombie par toujours de droite. Ah, c'est bon. Ah, mais il y a une école aussi, ici, en fait. Dans cette petite ville. Tranquille. Moi, j'aimerais dire que les caps lock sont autorisés en cas d'événement majeur. Moi, je suis pas contre les caps lock quand il faut avoir des caps lock. Oui, mais le problème, c'est de savoir quand il les faut. Quand on crie. Si on crie, c'est comme si on utilisait des caps lock. Est-ce que vous aimez quand les gens crient? Je ne crois pas. Non, mais quand on crie, faut qu'il fasse la fête avec nous, tu vois. Moi, je suis... Oui, c'est vrai. Je suis pour une interaction totale. Putain, t'es vachement sympa comme mec, en fait. T'es l'un des meilleurs youtubeurs, là. Vas-y, j'aime pas ce t-shirt là! J'ai envie de le changer, putain! C'est bon, t'as un check? Oui. Ok. Je t'ai pris une gourde. Impec. Bah, moi je veux bien y aller, hein, j'ai qu'un Makarov. Non, mais j'attends la pute de Gidias. Ah, oui, c'est vrai. D'ailleurs, faudrait inviter son Skype. Oh, tu vas me faire un retour Windows, toi je vais te baiser. Alors, tu vas attendre que je rentre dans un bâtiment. Je peux rien, tu le fais quand tu veux. Attends, je fais le tour des petites maisons. Tu là. Me demandes aussi si tu le fais comme ça. Non, mais tu vas le faire, mais je veux dire. Attends, tu veux des allumettes? Ouais. Tu fais chier, j'ai plus de place, on dit. Ouais, c'est pas très grave si j'en ai pas. C'est bien sûr que si, t'as envie de faire un feu ou t'as pas envie de faire un feu? Ouais. On sait tous les deux que t'as envie de faire un bon gros feu. Oui, mon t-shirt gratte un peu. Il est bizarre. Quel t-shirt? Un t-shirt. T'as mis la webcam? Non, non. Je ne comprends pas. Parce que là, il me gratte et j'ai dit qu'il me grattait. Ouais. Bah, c'est génial comme interaction avec les viewers et tout. Ah, je suis pas à l'aise là, il va falloir que j'aille le changer. Bah, c'est toujours mieux qu'un truc sur le vinaigre. C'est vrai. J'aime beaucoup l'odeur du vinaigre. Moi aussi. Il est parti sur moi. Sauf quand c'est moi. Il est en train de se passer. Non, je vais rien dire parce que sinon ça va s'arrêter. Et... Il se passe un truc là en ce moment là, maintenant, qui est assez incroyable, mais je dirais pas ce que c'est sinon ça va s'arrêter d'un coup. C'est toi qui es dans la colle? Oui. Et pourquoi? C'est quoi le truc que tu peux pas dire? Je peux le savoir moi? Non, faut que je le dise vraiment à personne. Je le dirai tout à l'heure, mais là faut que je le dise à personne, sinon je sais que ça va pas perdurer. Je le dis à personne. Tout à l'heure. C'est par rapport au jeu? Non. C'est par rapport à... À ma vie privée. C'est toi? Je le dirai plus tard. Oh, j'aime pas les gens qui font ça. Bon, je te dépose la boîte d'allumettes là. Je te démerde. Un plan de blueprint. Si. Je sais même pas comment ça s'utilise. C'est pour construire des fondations. Tu veux faire des fondations? Tu veux construire une école? C'est quoi? Moi je le prends quand même parce que tu vois quand même quoi. On sait jamais. On va peut-être faire des fondations à un moment. Attends, je dis bonjour à Ludo. T'as pris ce que je te posais? Là. Où ça? Là. Là. T'es où? En bas? Non, là. Là, oh, là. 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 T'as pas trouvé l'endroit le plus chiant pour me les mettre? C'est pas là, c'est moi qui les ai mis. Il y avait des trucs, je les ai posés là-dedans. D'accord. Ah bah, j'ai déjà trouvé. Ils sont tous polis sur le serveur.
Ouais, c'est un truc de ouf, comment tout le monde a dit bonjour. La vache. Ouais. Salut, vous êtes connu, Ludo, putain. Vas-y, on invite Judas maintenant. Non, on t'a entendu, là. Oui, je sais, c'est parce que faut que j'arrête de mettre des majuscules dans mes phrases. Vas-y, invite Judas. Oh, les humains, ça sert à rien. J'espère que c'est pas à cause de nous. Non. Eh, bonjour. Ah, bonjour. Hein. Et ça va bien? Bonjour. Bonjour. Ça tire. Merci. Merci, Maxime. C'est qui a tiré? Merci, Maxime. Ça a tiré au quoi? Au Yenfield? Non, au Makarov. Ah, c'est pas moi, là. Ouh là là, Makarov, ouh là là. Ouais, ah, bah, arrête, je tiens ça, on se moque pas des armes, hein. Ouais. Tu sais, ça peut être dangereux, hein. Je crois que le Makarov, s'il te lance, a plus de dégâts que si tu tires dessus, quoi. Écoute, quand tu vises la tête au Makarov, hein, c'est comme si tu visais avec... Ah, ah ça tire sur WAM, là. Non. C'est moi qui ai tiré. Ça vient de tirer, c'est moi qui ai tiré, c'est un expert, en fait. C'est le mec qui tire tout seul, ah, ça tire sur moi. Le mec, il se met le corps de son flingue sous sa gorge, ouais. Non, par contre, il était vers... Bah, du coup, il m'a entendu. Alors, Etanovosk, on est d'accord? Ouais, ouais, on est d'accord. Attends-moi là. Je suis un sniper, attends-moi. Par là-bas là. Y'a pas un bâtiment où on peut monter en hauteur? Si, regarde, tes escaliers. Où ça? Et voilà, t'es en hauteur. Tu m'as pas suivi. Attends, elle est marrante cette maison. Ouais, elle est sympa. Hein. Elle est un peu dégueulasse, mais elle est sympa. Le papier peint est de mauvais goût, mais sinon tout va bien. On pourrait établir un vrai camp ici, tu vois, on se met bien, tu vois. En plus, ce petit balcon est super sympa. Pour viser et tuer les gens. Alors, je suppose qu'il y a un mur invisible quelque part pour se péter la gueule, mais bon. Je suppose. Ça peut faire partie des caractéristiques de cette maison. Dias, tu vas dire à ton coloc qu'il ferme sa gueule. Nico, faut que tu fermes ta gueule. Oh merde. Ok, pas entendu. Ouais, la preuve, il ferme pas sa gueule. Ouais, sinon il aurait fermé sa gueule. J'aurais monté cet échafaud. Moi aussi, mais j'ai peur de me casser les dents. J'y vais. On verra ce qui se passe. J'y vais. Parce que être fan de... De la cataracite, c'est avant tout. Fan de soi-même. Putain, il y avait une échelle et tout. Eh, je monte, hein. Là, voilà, voilà, voilà. Vive les mariés. Aïe. Aïe. Ah, tu rigoles, mais dis-moi, ce gars, j'étais pas content quand ils sont passés à devant en bas de chez moi, là. Terra. Quoi? Viens me sauver. Je sais pas où t'es. Je suis en bas. Oh mais le con! Non mais je suis monté l'échelle et ça m'a fait tomber. J'ai des zombies. Attends. Vous êtes à Sabina là? Eh ta gueule le marié là! Attends j'ai ton micro. Non mais on est pas à Sabina. On t'a dit où on était. Ah je pensais vu. Non on vient de commencer du coup. Bah je viens vous aider là. Attends, bon, moi j'essaie de monter un échafaud et je suis mort. Enfin je suis pas mort, je suis dans les pommes mais. Tu fais des marges. Il y avait vraiment une échelle et tout, elle était censée marcher. Oui, je te sais, mais je t'ai vu qu'il glissait, tu étais là. On est en train de me tirer dessus là, putain, quand je te fais en train. Sérieusement? Oui! Ah, mais je comme Macarola. Ah, il me touche pas, le con, il m'a pas touché de sa voix! Fuis! Je me débrouillerai! Fuis! Il va penser que je suis mort! Je fais le mort! Attends, je prends le Enfield et je le fume! Vas-y, je fais le mort! Je le vois, il est à côté de moi. Ils sont deux. Ils passent à côté de moi, ils croient que je suis mort. Je vais aller derrière eux. Je vais les niquer. Avec mon Makarov. Je vais vous niquer. Je vais les niquer. Non, j'ai un os cassé. Aïe. Ils arrivent derrière toi. Enfin, sûrement. Non, je les vois plus maintenant. Ah, donc ils sont partis. À gauche, à droite. Un branchement. Ah, ils sont devant. Devant. Attends, je vais leur tirer dessus. C'est toi, Satera? C'est toi qui tire dessus, là? Non. Il tire sur un zombie, là. Attends. Il est là-bas. J'ai trop de trucs à faire, je peux. Il est là-bas, tu le vois pas là? En face si, de moi là? T'inquiète, j'infiltre! Il y a un mec là, putain. J'infiltre! Eh, arrête de tirer sur WAM! Ah, c'est toi, j'ai dit ça! Là, je l'ai mis dans la tête! Ah, il est mort là! Attends! C'est toi, c'est bon, j'en ai eu un! Moi, je suis militaire là! Putain de merde, c'est la guerre. Il est où l'autre là? Je sais pas, je l'ai tué. Enfin, si ils sont deux et que je l'en ai tué un, c'est que c'est bon.
C'est toi là, Clac, qui tire sur le mec? Je tire sur le mec, mais pourquoi ça a pas marqué qu'il est mort? Il est debout toi aussi? Non? Non, non, mais juste que... Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, il est... Ah non, il se fait manger, Il se fait manger. Voilà, là ça devrait être bon. Ah, c'est bon? Putain, je le tirais dessus au Makarov, ça le tuait pas. J'ai tué deux mecs. Oh là 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 là, il a bien fait me tuer, hein, le salaud. Chef de clan, etc. Ouais. Ouais, chef de clan, je l'ai mis à terre, hein. Ça va. Hein. Oui, bon, je vais pas être tué une seule fois, ils sont quand même super nazes. Ah, les salauds. Ah, putain, le bâtard. Laissez vous de piquer le stuff, là. Ouais, j'ai pris son sac. Trop d'action, là. Trop d'action. On se barre, c'est affaires, bref. Oui. C'est pas, ils vont revenir, les mecs, là. Armée de Makarov jusqu'aux dents. Ah, je peux pas prendre le stuff, y'a trop de zones. J'ai fait une connerie de merde. T'as caché le stuff, toi. Je crois que j'ai droppé mon sac. Non, c'est bon. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah non, c'est que son truc, il est parti. Ok. C'est bon, j'ai pas la papillon vert en action, t'as vu? Attendez, putain, vous me faites pas ramener. Non, je te ramène pas les zombies, je te ramène pas. Ah, je l'ai décalé. Ouais, enfin, en attendant, putain. J'arrive pas à looter l'autre, là. Antibiotique. Oubliez-moi, s'il vous plaît. Non. Non, si, non. Ah. Antibiotique, je prends, on sait jamais. Merde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce truc? Ah, bien sur moi. Ah putain, c'est con, j'aurais juste aimé prendre son sac à dos, mais nique sa mère, je peux pas prendre tout son stuff. Ouais, ok, il avait rien. Okay. Par contre, c'est un qui a tiré à la casse sur moi tout à l'heure. Ah putain, le zombie m'a rentré dedans. J'ai eu un os cassé. Ah merde, t'es où? T'es dans la maison? Ouais, à gauche. Ah ouais, mais attends, il y a 4 zombies sur toi, t'es foutu toi. Maintenant que j'arrive à rentrer, t'as encore du sang ou pas? La moitié. Je vais essayer de rentrer, mais t'as l'air d'être foutu, hein, je vais... Tiens, mais c'est quoi ce pas de bol, genre dans une maison, j'ai un os cassé, j'ai plus de sang, quoi. 5 minutes de game. Ah, je peux pas, je me fais casser la gueule, je veux dire. World record, c'est pas grave, je reprends pas, de toute façon. Ah, j'ai plus de sang, là. Non, oublie, là, y a trop de monde. Tiens, le mec, il m'a plaqué contre la porte, quoi. Je te jure, hein, j'ai ouvert la porte et il me rentrait dedans et j'ai l'os cassé, quoi. Ouais, d'accord, super. Bam, collision. You are dead. Genius, tu peux faire des suites. On a mis les motifs sur Spreadshirt et tu peux faire n'importe quel type de vêtement que tu veux. Cherche One Kill, tu verras, on a tous nos motifs. Tu peux utiliser n'importe quel motif et en faire n'importe quel vêtement. Ah ouais, par contre, les mecs, si on trouve un avion, c'est moi qui conduis. Hein. Non, mais écoute, il y avait un problème, je sais pas pourquoi, mais non, apparemment, c'est parce que t'as déployé... Voilà, non mais j'ai rien touché, mais je crois que par défaut les volets se sont mis vers le bas, parce que j'ai rien touché sinon dans la config. J'ai juste appuyé sur A, je me suis contenté de... T'as juste décollé trop tôt en fait. Non mais, une fois j'avais conduit un avion il y a longtemps, mais du premier coup ça avait marché avec l'un que... En 1800 alors que là il est aéronautique. Non, je m'étais posé et tout, ça allait. Ouais, posé, height. Bon là, j'ai dit à se dépêche pas de te stuffer et on se barre dans une ville que tu connais, tu nous dis le nom de la ville et on se barre. Mais là c'est trop chaud de rester. Je un peu perdu. On va sortir quelque part, c'est le cas. Effectivement, je l'ai perdu. On va aller au nord là. Cette fois-ci. Moi, je veux des véhicules, ma couille. Je veux des zones industrielles avec des véhicules pour pouvoir tout prendre. Zones industrielles? Bah non, mais je veux dire avec des possibilités de réapparition de véhicules juste à côté. Il y aura pas son véhicule, je sais pas trop. Mais par contre, je sais qu'il y a un aéroport vers le nord là. Bon, sinon, sans parler de ça, je pense que les joueurs sont savoir c'est pas un trop grand danger. Hein. Ça a l'air d'aller là. À mon avis, c'est plutôt tranquille. Il y a un M1911 dans une maison, celui qui veut, mais j'ai pas la place de le prendre dans mon sac. Bon, je vais garder le Makarov moi, pour l'instant. Garde donc, t'avais quoi comme arme sur toi? Un Makarov. Mais t'as pas récupéré l'arme de l'autre mec? J'ai pas eu le temps. Donc ça veut dire qu'il y a toujours son arme sur lui, l'un que tu l'as pas pris toi? Prends là, l'un qui a l'arme. Il a tiré à la 4 dessus, je crois. À la K? Ah, il a tiré avec un truc rapide, hein, avant qu'il y a un Makarov électronique. Et ça bite, ouais. Ouais. T'es sûr de toi? Parce que moi j'ai vu une arbalète sur un des mecs. Oui, sur un des mecs, c'est sur le mec près de la rue, mais sur le truc que t'as tué. Tu veux dire que le mec il avait une arbalète, enfin un AK, ils ont pas réussi à vous tuer? Bah oui, je te jure, il m'a défouraillé, hein, il m'a pas tué une fois, les zombies m'ont fait plus de dégâts. Faut qu'on passe à l'hôpital donner du sang à Link parce que là il rentre dans la merde quoi. Non mais j'ai vers le lootback, moi je suis un peu dans la merde. Je vais en faire un, mais juste va récupérer le cadavre du mec quoi. Bah je vais voir en fait. J'essaye là, mais déjà où est-ce qu'on était? C'est bon, je crois que je me souviens à peu près.
Je vais voir. Mais... genre là, celui-là, non. Ça, c'est une arbalète. Bah alors, du coup, c'est lequel? Peut-être qui se prépare. Hein. C'est lequel, du coup? Parce que toi, celui que t'as looté tout à l'heure, bah ouais, il est plus là parce que tu l'as caché. Attends. Il était derrière, là-bas. Là. Le mec était derrière. Voilà, celui-là, je te parle de lui, là. Ouais, lui, il a une arbalète. Mais on m'a tiré dessus à la carte. Je te jure qu'il a une arbalète. T'as pas entendu quand ça m'a tiré dessus ça fait... Bah non, sûr que c'était pas un Makarov. Mais il peut pas tirer aussi rapidement qu'un Makarov. Rapid fire. Ouais, c'est vrai, ça. Non, ouais, bah ouais, enfin, le mec apparemment a juste un Makarov, mais je sais pas, c'est chelou. Bon, je vais changer de t-shirt. Là, attends, je t'ai pris une gourde, tu peux la prendre, s'il te plaît? Je l'ai mis dans le mec. Dans quel mec? Dans le mec, quoi. Je l'ai mis en le mec. Tiens, la gourde! Dans quel mec? Celui que j'ai tué au bout de la rue. Ah, je t'ai mis une gourde. T'as vu, elle a plus de Marlboro? C'est où, ça? Attends, je vais voir. C'est qui essaie de... de buter, de... lol. MDR. C'est qui essaie de... buter, lol. Hey, sur ce serveur, il n'y a aucun free ND, hein. C'est possible. Ah, mais il n'y a aucun stalker. Ouais, ça, c'est un plaisir. Du coup, t'as vu, on est plus fort, on arrive à les baiser. Link, personne n'a une main. Link, t'as une main à côté de son... T'as un chiffre à côté de la main ou quoi? Non. Bah merde. Bah, le problème, c'est qu'il y en a un. Si c'est pas moi qui l'ai tué... Gilda, t'en as tué un, toi? Non, non, j'ai rien du tout, moi. Attends, je suis mort. Parce qu'en fait, j'ai tué un mec tout à l'heure, j'en ai tué un deuxième, du coup, le troisième, il est mort comment? Dans l'épisode 2, vous saurez qui a tué le troisième gars. Comment il est mort? Soit il est mort mangé très rapidement, soit je ne comprends pas. Il y a des munitions de revolver, les mecs, là. Si tu peux m'en prendre déjà. Ah bah attends, je viens de trouver un sac. Arrête de... Arrête de m'appeler, putain, j'ai pas d'amis. Orange, putain, attends. Mort de rire, Orange. GG, la blague. LDR. J'étais trop explosé quand t'as dit ça. Ah, j'ai entendu ça. Y'a pas un truc où on peut monter en hauteur, Gigi? Gigi. Bah, la montagne, ouais. Qui est sur... tu sais, quand tu regardes vers le shop, sur la gauche, la montagne, là. Ah, je vais monter là. Histoire de voir ce qui se trame dans la ville. Ah, mais non, mais y'a un petit bâtiment, là. Dans la zone industrielle, là, y'a un bâtiment. Je crois qu'on peut monter sur ça. Non, t'as raison, je vais être sur le flanc de la montagne, on verra mieux. Bon, après, c'est pas sûr que tu voyais bien bien, parce que des fois, il y a vraiment du... Comment ça s'appelle? Brouillard. Du fog. Il y a une roue. J'ai la roue. J'ai la tête en arrière, là. Une roue. Ouais, bah, je vois la place. Hein. Couché, le coloc. Ah, il est pas content, là. T'es parti où, Terra? Sur le flanc de la montagne. Merci, de vos écrans 24 pouces, là. Genius, si on peut en faire différents modèles, avec Terra, on l'a fait. Terra, on a réussi à faire des suites et tout. Bien sûr que oui. En tant qu'utilisateur, on a réussi. Oui, en tant qu'utilisateur, tu peux. Tu vas sur le site Preacher, tu tapes un clic dans la recherche, ça te met les motifs, et une fois que t'as le motif, bah, tu fais ce que tu veux avec. Voilà. On se rend jamais les mectons, là? Dis-nous d'abord où est-ce qu'on va, sous une carte, et ensuite tu me dis. Je vais récupérer ce qu'il y a sur le mec, là. Pipen, VSS, ils sont... Ouais, dis-moi, on va, c'est vrai que j'ai oublié que j'ai une carte. Quel chargeur de Makarov, ça, je prends. Mute. Mute. Bah, il y a un zombie là-bas, je vais faire le tour. Bon, je suis équipé en Makarov. On se rejoint au shop, les mecs. Vas-y. Tout le monde sait où c'est. C'est un peu bellec comme endroit, mais vas-y. mètres, putain, vous êtes des merdes, je fais 169 moi. Et alors, PK, le mec, il a dû le fouler dans le bide, quoi. Ouais, à 37 mètres. Ça me rappelle, moi, une fois, au shop. Au chalet. Non, ça c'est mainstream, ça maintenant. Ouais, c'est vrai. En même temps, c'est normal en Russie. Haha, Terra. Excellent. Attends, c'est quoi notre truc?